Jazz Anecdote numéro 37. Le jazz est une musique qui repose énormément sur la spontanéité et l'écoute. C'est pour ça que les musiciens professionnels qui jouent des standards de jazz connus n'ont plus besoin de répéter avant de jouer ensemble. Ça se voit d'ailleurs très bien dans les jam sessions. Bref, tout se joue sur scène. Mais ça a malheureusement fait l'objet de quelques bizutages envers les musiciens juniors qui rejoignaient des groupes seniors. Comme cette fois où à Seattle, Thelonious Monk n'avait pas trouvé de bassiste à la veille de son concert. Mais in extremis, le matin même, il trouve un bassiste local qui est disponible et qui est ravi de rejoindre le groupe. Tu m'étonnes. Il demande alors à quelle heure est la répétition et Monk lui répond à 14h. Le jeune homme tout guiré arrive donc en avance, s'échauffe et à 14h, personne n'est là. Il attendra donc toute l'après-midi au club jusqu'à ce que Monk ne se pointe que 30 minutes avant le concert. Et quand il demandera pourquoi il n'y a pas eu de répétition, Monk lui répondra sur un ton sarcastique « Bah c'est toi qui voulais une répétition, non? T'as bien répété j'espère ?»